Vous faites quoi là, bordel? Stationnement illicite, monsieur. Je verbalise. Putain, vous déconnez, j'étais juste en train de faire une course là. Mais je fais mon métier, hein. Mais merde, je vous dis que ça fait à peine 3 minutes que je suis garé là. Et le moteur est froid, monsieur. Bordel, mais je viens voir un pote qui est malade, vous allez pas faire la pute quand même. Pardon? C'est pas possible, ça, on se garde 2 minutes. Il y a toujours une connasse de contractuel pour vous mettre une prune. Ah, c'est comme ça, hein. Et bon, on va voir si je suis une connasse. C'est plus ça. Plus 300 francs pour un insultage. De toute façon, je la paierai pas, ta putain d'amende. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Il se passe que votre salope de collègue là, elle m'aligne des prunes pour me faire chier. Ah, je vous en prie, hein, surveillez votre langage. Mais vas-y, mais ferme ta gueule, toi, grande asperge, je t'emmerde, moi. Oui, c'est comme ça. Très bien, monsieur. Plus 3000, plus 500, plus enlèvement de allez, plus. Ok, c'est ça. Amusez-vous bien, bande de salopes. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais qu'est-ce... Oh, les gars, ça! Oh, les putes, ma bagnole, a dit! Salope! Nous a guidés jusqu'à vous. Nous portons un message d'amour de notre Seigneur. Ah ouais? Vous savez que notre Seigneur vous aime, mon frère. Sérieux? Cool! Vas-y, entrez, entrez, on discute. Ah! Le signe de la bête! Il est possédé! Mais soyez pas timide, j'entamais justement un petit sacrifice. Communions ensemble. Mais recule, démon! Ah! 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 Salope à la merde! C'est l'antre du diable! Merde! Non! Oh, alors, le possédé! Tu descends sans faire le malin! Et tout se passera bien! Malédiction! Pauvre pécheur! Pauvre pécheur! T'es casse-couille. Il y a un problème. Contrôle, vous coupez le moteur du véhicule et vous descendez, s'il vous plaît. Richard Joubert. On se connaît, non? Non, je crois pas. Mais si, souviens-toi. Collège des Ormeaux, 3ème B, Magali Robert. Ah ouais, alors, tu deviens quoi? Bah tu vois, je suis gardien de la paix. Oh, ça va faire 2 ans maintenant. Mais gare, celui-là, il a pas l'air clair. Oui, cher. Oh, tu sais, c'est pas facile tous les jours, mais je crois que j'ai trouvé ma voie. Et toi, alors? Moi, je suis dans le commerce. Le commerce? La vente, quoi? Ouais, la vente. C'est dingue qu'on se recroise comme ça, non? Ce sera chouette qu'on se revoie. Tiens, c'est mon numéro, tu m'appelles quand tu veux. On discutera du bon vieux temps. Ça m'a fait plaisir. Allez, salut, beau gosse. Ouais. Salut. Allez, mec, j'ai retrouvé mon bédo, c'est de la balle, non? Prendre des risques, c'est ça le vrai hip-hop. C'est ça les gars, il faut niquer sa mère. Ah ouais? Tu vois moi par exemple. Ouais, moi je bouffe hip-hop, je suis hip-hop, je dors hip-hop, je fais tout hip-hop. Bah ouais, tu vois. Bah, rien à voir avec tous ces petits rappeurs qui font de la soupe pour se remplir les poches là. C'est tous des vendus, pareil pour les danseurs. Ils ont tous vendu leur boule. Bah moi, tu vois, pas. Ah ouais, en vrai t'as trop raison. Moi je vous le dis les gars, y'a que le graffiti qui est resté vraiment super ghetto hardcore du Nord. À chaque fresque que je fais, tu vois, c'est comme si Babylone il cramait un peu plus. Oh là là, tu parles trop bien. Et ma parole, le graff c'est le dernier bastion des vrais gars. On est comme qui dirait, toi, un peu comme les derniers rebelles de la société. C'est pas vrai ce que je dis? Eh hey mec, c'est pas comment on t'admire. T'es un exemple pour nous. Ok, bon, bah les petits, maintenant faut dégager là. Après, s'il y a les stars qui débarquent, c'est pas bon. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Viens, on s'arrache. Franchement, respect, hein. Hé, hey, oubliez pas les mecs. Le dernier rebelle, wesh. Je le respecte trop, ce que. J'en ai...
l'art, Picasso. Ah, ils sont bien les bonhommes. Ils sont bien réussis les coloriages. Quand est-ce qu'il a fini l'artiste? Demain matin sans faute, hein. En tout cas, je suis bien content que ça vous plaise, monsieur l'agent. Hein? Je pourrais vous en faire un petit, s'il vous plaît. Pour aller à la maison. Votre titre de transport, monsieur. Vas-y, lâche-moi, toi. Et là, mon petit monsieur, vous allez où comme ça? Vas-y, me touche pas, toi. Tu veux des problèmes ou quoi, là? Faites bien attention, hein. Vous allez nous parler sur un autre ton, ça va mal se passer. Mais casse-toi, la bondasse, là. Tu crois que tu parles à qui, là? Va te faire ken. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Salut, Raoul. Un problème avec le Zoulou, là? T'es témoin, hein, Maurice? Refus d'obtempérer et agression verbale. Eh, hey, dis donc, Mouloud, là, hey, tu vas te calmer tout de suite, hein, ou tu vas goûter du bâton. Quoi? Des menaces? Tu me fais des menaces? Eh, hey, mais je rêve ou quoi? Alors, c'est le retour de la Gestapo, c'est ça? Vous n'êtes pas à m'enfermer ici! Vas-y, Maurice, montre-lui! Je veux voir ce qu'il va te mettre, la Gestapo! Eh! Hey, hey, eh, les mecs! Eh, hey, vous savez vu ces enculés, là? Violence policière, nique sa mère, on les baise, là! Y'a pas vu, vas-y, venez, on les défonce, ces bâtards, là! Émeute! Vas-y, émeute! Eh! Hey Eh hey les mecs, wesh la famille, la solidarité du ghetto, ça vous dit rien? Vas-y. L'action combinée des services de police et de la régie des transports a permis de capturer un dangereux terroriste qui s'apprêtait à commettre un attentat en plein cœur de la gare centrale. Le prévenu a été immédiatement écroué, il risque 35 ans de réclusion criminelle assorti d'une reconduite à la frontière. Tout de suite, nous retrouvons Tony Livbad sur les marches du tribunal de grande instance. Bon, à la prochaine, Didier. Tu as vu où ta mère, tonton? Eh, tu es pas serré, hein? T'inquiète, j'ai la planque idéale. Bon, allez, ciao! Oh là là. Putain. J'aurais jamais dû goûter à cette colombienne. Putain. C'est vrai, je m'en rendu complètement parano. Ça y est, je vois des keufs partout. Là. Merde. Bon, tranquille. Prenons l'air dégagé du cas, car rien à se reprocher. Excusez-moi, je cherche la... Vos papiers, rue. S'il vous plaît. Les papiers? Bon, bah, tenez. Vous n'avez rien dangereux sur vous? Pas d'armes? Pas de couteau? Non, non. Pas de shit? Vous rigolez, je suis sportif comme gars. Ouais, bon, on va voir ça. Et ça, là, c'est quoi? Bah, c'est ma bite. Bon, bon, circulez, circulez. Comment ça, on s'entend plus? Écoutez, ça fait 2 heures que j'essaye de regarder Drucker tranquillement chez moi, alors maintenant il y en a ras-le-bol. Vous allez me couper cette musique de sauvage, je vous appelle la police. Mais vas-y, appelez tes keufs, j'en ai rien à foutre, moi il est pas 22h alors je t'emmerde. Ah, c'est comme ça? Bah, je vais l'éteindre moi-même cette foutue sono. Oh là 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 là, tu vas où là, petit bonhomme? Bon, allez, vas-y, casse-toi maintenant. Monique, appelle ouais, la police! Ouais, c'est ça, salut. Ah, alors, ça a été ta journée? Ouais, tranquille. Il est passé le mec du téléphone? Ouais, ouais, il est passé, pas de problème. Eh, hey, sérieux, hein, ton Thomas, trop stylé, hein. C'est quand tu fais une teuf ici? Bientôt, t'inquiète. Eh, hey, j'espère que t'as pas fait gueuler la sono comme ça tout l'après-midi. Non, pas de panique. Bon, bah salut. Eh, hey, encore merci, hein. Bonjour. Bonjour. Vous là! Oh non!
non, relou. La troisième prune de la semaine. Oh, excuse me, mister. I'm really sorry. It's the first time I do it. Quoi? Laisse, il parle anglais, je m'en occupe. You have your ticket? Ticket? No. Someone volé my, you know. Money. Oui, yes. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je crois qu'on lui a volé son argent. He's not grave. But I met you see your card identity. Well, I don't have in my hotel, you know. Bon allez, on le laisse partir, non? Non, non, faut suivre la procédure, là. Il a pas ses papiers, on appelle la police. Ça se trouve, c'est un clando. If you please. Name, prename, profession. Robin Masters? Yes. The ambassade is fermed. We call tomorrow, demain, ok? You must dormir ici. But where are you from exactly? Your gueule! Mm-hmm.